Maintenant, je voudrais vous présenter, ou vous faire retrouver, plutôt retrouver d'ailleurs, Marcel Dadi. C'est un jeune garçon, mais qui tient déjà une place considérable dans la musique, et tous les guitaristes le connaissent bien. Ils connaissent un double titre, d'abord parce que la guitare à Dadi, c'est le titre de plusieurs albums qui se vendent par centaines de milliers d'exemplaires, et aussi parce qu'on lui doit une méthode tout à fait révolutionnaire et personnelle qui permet d'apprendre la guitare comme on ne l'avait jamais apprise jusqu'à présent. Vous avez remplacé les lettres par des chiffres. Oui, les notes, c'est-à-dire c'est une méthode qui s'oppose au solfège, en ce qu'elle est beaucoup plus simple, et donc elle attire beaucoup de gens. C'est pas révolutionnaire, en fait c'est une très vieille méthode qui date du Moyen-Âge. Oui, mais il fallait avoir le courage de l'exhumer, voilà. Et de la remettre à la mode. Il fallait l'exhumer et la remettre à la mode et la moderniser un petit peu aussi. Et c'est le système de tablature, c'est un système qui est très pratique pour la guitare, puisque au lieu des 5 lignes de la portée du solfège, on représente les cordes donc par 6 lignes, et on indique sur les lignes les cases par des numéros. Donc toute personne peut lire facilement cette tablature. Alors Marcel Dadi, je n'oublie pas que vous allez être au Palais de Glace du 3 au 19 novembre. Je n'oublie pas non plus que vous êtes non seulement interprète et pédagogue, mais aussi compositeur. Et on va entendre tout de suite un morceau de votre composition. Accompagné aujourd'hui. Ne vous fiez pas d'ailleurs à l'apparente facilité de la guitare. Les virtuoses sont parfois trompeurs. Votre prochain rendez-vous, eh bien, il est dans quelques secondes. C'est le rendez-vous que vous avez quotidiennement avec le feuilleton Les Amours de la Belle Époque, avec aujourd'hui le 8e épisode du mariage de Chiffon. Et puis notre prochain rendez-vous à nous, c'est, si vous le voulez bien, demain, toujours à 12h10. Merci, à demain.